Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Puis l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de l'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Puis l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de l'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu.